Mesdames, bonjour. Papier de véhicule. Assurance. Merci. Vous avez une carte de séjour? Je suis français, moi, monsieur. Ah ouais? Et c'est quoi tout ce cirque? Mais ça, c'est pour le match France-Algérie, monsieur. Algérie 3, France 0. Pardon, madame? Vous savez que c'est outrage à l'agent, ça, hein? Mais il faut moquer. Excusez-la, c'est pas de sa faute, monsieur. Ah ouais? On plaisante pas avec le foot. Jamais. Allez, circulez. Merci, monsieur. Tiens, regarde, non, papa. Arrête-moi, arrête. Mais c'est pas possible. Où il trouve de l'argent pour acheter ces millionnaires? C'est l'argent du pain. Bon, allez, moi je vous laisse, j'ai des trucs à faire. À tout à l'heure. Au revoir. Hein. Et ben ce soir, tu tremperas tes doigts dans la sauce pour remplacer le pain. Voilà. Et si je gagnais le gros lot, je t'achèterais une boulangerie. Hier, c'était une épicerie. Ou la semaine d'avant, un pavillon avec piscine. On serait plus riche que Bernard Tapie. C'est ça. Tu veux me faire la honte dans la rue. Elle a raison. Moi, tu m'as promis le paradis quand tu m'as amené ici. Si c'est comme ça, donne-nous ton terrain au bled. Tab, tab, on l'a remis tout faux. Je t'ai mis au monde, c'est déjà beaucoup. Fais plaisir, Brahim. Tu fais honneur au pays. Eh, obligé, monsieur Sbantout. Quand il s'agit du bled, moi, je suis toujours là. Et vive à l'Algérie. 5 à 0. Bouge. Bon alors, c'est bifton. Tiens. Tiens. On peut m'embrasser les pieds, les mecs. Hein. J'ai fait tout Barbès, moi, pour les trouver. Mais attends, c'est Tribune Sud, on va rien voir. Quoi? Nous, on est au premier rang, collé aux fesses de Barthez. Qu'est-ce que tu racontes, toi? On n'est pas derrière les buts, on est juste après le virage. Ça se voit que t'as jamais mis les pieds au Stade de France. Mais tu veux quoi pour 70 balles, toi? Tu veux une place à côté de Chirac ou quoi? Et pourquoi pas? Salam alaikum, merci de nous avoir choisi. C'est DJ Kim dans ta radio. La suite du son, c'est avec Boilem, Chaker, direction le son Pilka. Et n'oubliez pas vos messages sur le www.kimmania.com. C'est le chocolat ou dans la fête que tu veux acheter? Non, non, finalement, je vais prendre le déchet. Si tu veux un femme, tu vas à l'agence en face. Sur la vie de ma mère, un jour, je vais lui mettre le feu à son épicerie, à lui, là. Bouge pas. Oh là, détends-toi, ma Karine. Putain, mais comment j'avais la cote avec une bombe? Est-ce qu'on, là, il m'a mis la chouma? Toi, tu vas acheter chez lui. Pas manger tout ce matin. Elle est là. Mais je la connais. Elle habite pas à Belleville, elle? Oh là là, je sais pas d'où elle est, mais en tous les cas, je l'ai pas vu rentrer chez Lounès. Hein. Si ça se trouve, c'est sa fille. Non, c'est pas possible, t'as vu la tronche qu'il a, lui? Démarre. Une petite chip, mademoiselle? Oh, merci. Cafard, bah, elle crade pas la dalle comme toi, elle. Qu'est-ce que tu lui dirais, toi, bouffon? On laisse faire les grandes, et tiens. Attends, t'es fou, toi, ça se tourne ma gueule. Si tu veux, j'appelle la police. Mais de quoi tu te mêles, toi? T'es pas marié avec tes clientes? Ben, vas-y! Vas-y, appelle-la la police! Ah oui! Viens, Gabi! Non, non, mais moi j'ai du boulot là! Non, mais viens! Nous aussi on va dire au chef qu'il embauche les sans-papiers! Nous vous mettons en liaison avec la police! Excusez-moi, madame, hein, c'est une erreur! Non, sérieusement, mademoiselle, vous voulez pas qu'on fasse un petit bout de chemin ensemble? Ah, s'il vous plaît, soyez sympa! Comment tu t'appelles? Je sais pas, 5 minutes de tchatch et l'affaire est dans le sac. C'est pas possible, ça. Trop de liberté, trop.
Et c'est pour ça que les clients demandent de plus en plus de femmes propres. Ouais, mais on en a plus beaucoup. Il va falloir renouveler le catalogue. Ce matin, l'équipe de France a rejoint Clairefontaine pour préparer le match amical contre l'Algérie samedi au stade de France. Ganil Abziden, Yatéouna 10 à 0. Non, mais on peut pas nous faire ça contre l'Algérie. Il va déclarer forfait. Quand il y a des millions à gagner, il n'y a pas de sentiment. C'est pas une question de thune, papa. Avant de jouer dans l'équipe de France, il est parti voir les Algériens deux fois et ils l'ont jeté. Eh ben, rien que pour ça, il va jouer. Et Zama, c'était trop fort pour lui. Où t'as pris à dénigrer ton pays comme ça, toi? Yemma, sers-moi un peu plus de viande, c'est quoi ça? Je suis pas mariée avec un boucher. Tu n'as qu'à aller travailler au lieu de traîner toute la journée. Ouais, c'est ça, ouais, faire l'esclave pour gagner le SMIC. Voilà. Tu veux gagner des millions, hein? Et en attendant, tu n'as qu'un slip pour toute l'année. Prends la viande de ta grand-mère. Elle a cassé son dentier. Ibrahim, va mal et je te file le mien. D'accord, mais tu me fais crédit, hein. Mais t'es fou, toi. C'est cash ou tu vas mourir. Eh, hey, hey, mais c'est quoi, là? Oh! Vessi, où est-ce que tu es? Vessi, tu es? Vessi! Yemma, Yemma! Qu'est-ce qui se passe encore? Mais c'est lui, il veut me prendre mon morceau de viande. Chef, t'as l'air, l'oulade, il ressort le globule rouge. Elle est déjà le vampire, Heda. Hab, t'orte l'homme, t'orte n'y en a main, ma. Mais c'est lui qui me l'a proposé. De toute façon, moi, j'en ai marre de cette baraque. Tu vas voir qu'est-ce que je vais te faire. Tu crèves. Même pour des millions, je lui fais la peine. Attends, coule, Ben Melaïm. Qui m'a pas comme on va rien construire l'électricité. Il est là, maintenant, ça. Fini la viande, hein. Wallahi, à partir d'aujourd'hui, légumes pour tout le monde. Et celui qui tombe malade, je m'en vaux. Il y a la carte vitale. Résultant d'une vérité dont je peux témoigner. Accaparé par ses problèmes, l'Algérien est terrifié. Dominé par une existence pas facile à gérer. Instant pression, possédé par une série de faits. Le temps passe, la joie se chasse. Trahison de confiance et manque de taf. De père RMiste et mère fataliste. De plus pragmatique, pas d'autre choix que de prendre lui-même tous les risques. Donc, vivant dans ses rêves, songeant à une vie différente. Il prend le temps de s'adonner à une vie lente et inquiétante. En manque de bonheur, pour poser voix pour lui sa défaite. Il jure la vie de sa mère, qu'un de ses jours elle sera fière. Pas la peine de raconter des histoires. Encore là, madame Poussin. Bouge. Oh, alors, la meuf raconte. Pff, elle est étudiante. La main après par un exposé sur Socrate. Comment te bais, je lui dis je connaissais. Tu sais qui c'est, toi? Espèce d'âne, bah, mais c'est pas Socrate, c'est Socrates, la superstar de l'équipe du Brésil avec Zico. Oh, il a pas eu de chance, hein. Deux mondiales, deux défaites, en 82 contre l'Espagne et en 86 contre la France. Mat, il y a la mère Poussin qui monte. Hé, Mouloud, ma parole, tu me sauves. Tu peux me dire plus sur Socrates, s'il te plaît? C'est ça, moi je te fournis la tchatche et toi tu fais le beau. Mais attends, mais c'est pas de ma faute, moi, si j'ai du succès avec les meufs. Bah c'est ça, donc je l'enferme ta gueule, tu vas réveiller la mère Poussin. Gabi. Gabi. Ah, Gabi. Ah, vous perdez pas de temps, les mecs. Attends, juste deux sandwichs, on se tire, je te jure. Attends, quoi? La petite tarte au saumon, les épinards juste avant, s'il te plaît, Gabi. Bon, ce sera tout? Merci, Gabi. Oui, bon, ça va. Putain, faut toujours t'exagérer, espèce de radin. Il va finir par nous jeter un jour. Merde, j'ai oublié de lui dire du ketchup et de la mayonnaise. Attends, t'en as rien à foutre, hein. Y a ta mère qui te donne à bouffer tous les soirs. Quoi? Bah moi j'aimerais bien te voir, tiens, bouffer de la loubia tous les jours. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a? T'es jaloux, quoi? Hein, c'est ça? Hein? T'avais cartonné au bled avec tes vieux, mon pote. Quoi? Répète? Un morpion comme toi, tu en es expulsé? Mais je te signale, je suis chez moi ici. Je t'emmerde. Oh, ça va pas la tête? Vous voulez que je me fasse virer ou quoi? Vous prenez vos sandwichs et vous vous cassez, fais ça. Allez. Merci, Gabi. Oh putain, regardez! Il a le vrai maillot de l'équipe d'Algérie! Waouh! Super ton maillot, Rachid! Fais voir le numéro que t'as choisi! Lâche-moi, il n'y en a pas! Mais fais voir, wesh! Attends, moi, tu te mouilles pas! Hein. Quoi? C'est ma mère qui l'a fait! C'est pour montrer que je suis binational! Eh, hey, franchement, Rachid, tu veux que l'Algérie le gagne? Attends, c'est la merde ce match! En 98, j'ai roulé pour la France, et là, je suis obligé de rouler pour les deux! Eh, hey, ça marche pas comme ça, le foot! Regarde, lui au moins, on est des Camerounais, mais pourtant, on a envie que l'Algérie gagne! Oh, on est des Africains avant tout! Eh, hey, dis-lui, Bouba! Ouais, il a raison! Battez les double airbags! C'est la même pas de soutif. Comment tu sais? C'est pas que j'ai un scanner à la place des yeux?
Bouge. Ma parole, on aurait dit un soleil. C'est vrai, depuis que t'as vu la bronzée. Nel, boule les femmes qui jetaient les enfants dans la rue. Pas possible. Je mets à l'imène, je vais déménager dans le 16e arrondissement. Attends, qu'est-ce qu'il a s'excité, lui, là ? Il vient juste d'arriver. Connard. Allô ? Mouloud ? Je suis à Paname, là. Le quartier latin. Tu connais ? Bah, bien sûr que je connais ma gueule. J'étais vigile au Crédit Lyonnais. Vigile. Mais je suis au resto, là. Où j'ai rendez-vous avec Wassila. Tu verrais. Y a pas un seul rebeu. Mais c'est cher. Juste assez pour deux plats. Pour un hors d'œuvre, moi, je suis cuit. Pourquoi c'est toi qui casque ? Premier coup, Mounou, tu es obligé. Espèce de cafard, va. Avec les meufs, tu calcules pas, hein. Avec moi, t'as jamais une thune, hein. Je sais que t'as de beaux yeux, Mouloud. Mais qu'est-ce que tu veux ? T'es trop pâlu pour moi. Salut, Brahim. Wassila. Allô ? Excuse-moi, j'étais avec mon associé, Mouloud. Je suis un peu en retard, j'ai eu du mal à me garer. Pas moi aussi, je viens juste d'arriver. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Alors, on a fait attendre ce pauvre monsieur. Un petit apéritif pour commencer ? Non, merci, on va commander directement. Ouais, directement. Et ici, la spécialité, c'est le steak tartare. Ok, ouais, ça roule, ouais. Deux steaks tartare. Comme d'habitude, mademoiselle, bien assaisonné. Oui, s'il vous plaît, avec une salade. Par contre, moi, je le veux bien cuit. Hein. Bref. Le tartare, c'est de la viande hachée crue. Attendez, mais moi, je suis pas un cannibale. Hein. Monsieur veut peut-être un Big Mac ? Ah ouais, avec beaucoup de frites et plein de ketchup. Ouais. Et la boisson ? De l'eau ? Une carafe d'eau, s'il vous plaît. Va pour une eau municipale! C'est parce qu'en fait, je suis sous antibiotique. T'es malade? Non, t'inquiète pas. Petite bronchite. Merci. Alors, comment tu trouves mon resto? Ouais, stylé. En plus, le week-end, ils font des soirées à thème. Tiens, samedi, il y a un groupe latino, je t'invite. Ah non, samedi, il y a le match. Ah, c'est un match de quoi? C'est un match de foot. On joue contre la France, France-Algérie. T'es pas au courant? C'est un événement historique. C'est pas grave, tu peux venir après. On fêtera la victoire ensemble. Tu crois que l'Algérie a une chance contre la France? C'est clair. On a bien gagné l'Allemagne en 82. Le Brésil, il a perdu contre l'Espagne. Même avec ton Socrates. Socrates? D'ailleurs, je sais même pas pourquoi que tu me fais un exposé sur ce blaireau-là. Deux mondiales, deux défaites. Sans déconner, il y a des mecs au bled, ils font parler le ballon. Ils vont super vite. Qu'est-ce qu'il y a? T'es algérienne, non? Voilà. Hey, Kabil. Quoi? T'as pas un truc à boire? Non, mais t'as qu'à aller chez Mahmoud, il fait crédit, lui. Déjà, t'as un sandwich, hein. Gabriel ! Chut, prends-toi, prends-toi ! J'ai complètement oublié de vous rappeler la réunion mensuelle des célibataires à l'agence Arousa 2000. Alors, il y aura un fraisier pour 12, à livrer à 14h. D'accord, comme d'habitude, en forme de cœur. Oui. D'accord, ben ce sera après, madame Poussin. À demain, Gabriel. À demain, madame Poussin. Oh, putain, Mouloud. Je suis désolé, moi, j'avais pas vu que t'avais mis un sac de farine derrière aussi. Non, mais attends, ça peut plus durer, faut lâcher du lest, là. Trouve un job, je suis pas les restos du cœur, moi, merde. Non, mais attends, tu fais bien, moi, j'avais demandé une formation en informatique qu'on met dans la tuyauterie. Franchement, Gabi, tu me vois plombier? Oui, moi t'apprends un métier. Puis franchement, programmateur, hein, avec ton niveau de certificat d'études, tu pourrais être avocat, hein? Il se fait tard, on y va? Ok. S'il vous plaît, je pourrais avoir l'addition? Tout de suite, monsieur. Merci. Je reviens.
Allô? Allô, Mouloud? T'as un ballon à la place du cerveau ou quoi? Ah ouais, pourquoi? Comment ça, espèce de hagoun? Socrates, c'est pas un footballeur, c'est un philosophe. Et depuis quand? Mais moi, je m'instruis, moi, le hamar, je me cultive, je suis pas comme toi. Va mourir, ouais. Putain, je sais pas comment je fais pour le supporter, ce mec-là. Et toujours avec le canon, là? Ouais, bah attends, elle va le zapper vite fait, elle est trop intelligente pour lui, hein. Ouais, quel gâchis. Moi, c'est tout à fait mon type de meuf. Ah ouais? Et depuis quand t'es branché Arbier, toi? Ah si, les grandes brunes avec leurs gros yeux en amande. Allah zargala nitsir, Allah zargala nitsir, Allah zargala nitsir, Allah zargala nitsir, Allah zargala nitsir. Mais non, Brahim, je peux pas. Demain, j'ai cours à 8h. Et toi aussi, il faut que tu sois en forme pour ton rendez-vous d'affaires avec Monsieur Mouloud. Oh non, mais t'inquiète pas, je peux le faire attendre. Bon, de toute façon, on se voit samedi. Ben, ouais. Ouais. Merci pour le dîner, j'ai bien rigolé. Oh, c'est rien. Tu veux que je te dépose? Non, laisse tomber, j'ai... Mais tiens, j'ai ma caisse, elle est juste là. Ben, dis donc, ça marche pour toi, hein? Oh, c'est rien, c'est une petite coccinelle. Bah, samedi, alors. D'accord, à samedi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux ma place? Excusez-moi, je me suis trompé de voiture. Ça va. Machallah. T'es déjà dans le match ou quoi? Qu'est-ce que tu crois? Il reste plus qu'un jour. Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, on va leur mettre 3-0. T'as trouvé un billet? Et comment? Tribune Sud, mon frère. C'est pas vrai comme moi, c'est la 70 balles. Ouais, mais nous, on les a eu gratos par la mosquée. Tu rigoles. Sur le Coran que c'est vrai? Qu'est-ce que tu crois? On est organisé. Mais toi et Mouloud, vous venez jamais à la prière. Vous vous la jouez de ses francs. Tiens, je parie que ton blouson, tu l'as payé un max. Nous, grâce à Dieu, on va les avoir à l'œil. Par Zim Zim Soda. Je m'en fous, moi, Malek. Tout ce qui va à l'Algérie, moi, c'est, je calcule pas. T'as rien compris à la mondialisation, mon frère. C'est la Chinese Connection qui les fabrique, dans le 9-3. Je m'en fous, Malek. Haya, Malek, haya. Haya. Où je m'y crée que t'as attendu, là? Ah, tu vas y rester là. C'est quoi encore, ce bordel? Bah, c'est pas la peine de te cacher, toi, espèce d'enfoiré, bah. Tu débarques à peine ta cabine, toi? Tu vas mettre Ricard dans mon quartier? Moi, je suis français et je reste ici, je t'emmerde! Tu crois que tu vas gagner, toi? Ah, Gabi! Foiré de Nounès! Là, un jour, tu vas me payer! Foiré, va. Oh, mais quelle balle, Frank, ça. Je veux une fille de bonne famille et de préférence religieuse et pratiquante. On ne bénisse en une allée. Dans ce cas, j'ai ce qu'il vous faut. Nadia Kerbouche, 25 ans, fille unique d'un richissime chamelier. Virginité garantie avec certificat. Oh. On dirait une Twingo. C'est sûr, c'est pas Claudie Schiffer. Vous avez une idée de l'héritage? La plus belle maison de Bni Abbas et un capital de 2000 chameaux. Allah ybarak. C'est vrai, elle a l'air d'une vraie femme d'intérieur. Vous avez l'œil, Madame Bourras. Vous avez une photo complète? Ah, mais ne vous inquiétez pas, Madame Bourras. Je vous assure qu'elle est normale.
On est une maison honnête ici. Allez, laisse tomber, maman. Faut pas juger sur une photo, Malek. C'est le foulard qui lui écrase un peu la tête, c'est tout. Ah non. Le voile, c'est la parure de la femme. Inch'Allah. Il rehausse sa beauté. Il préserve sa vertu. Ah bon? Là, c'est tout ce que je peux vous proposer dans le catalogue traditionnel. Revenez la semaine prochaine, Inch'Allah. Mon associé sera de retour avec d'autres propositions. Inch'Allah. Au revoir, Alec. Salam. Au revoir, madame. Je crois savoir celle qui te plaît, Gabi. Ah non, mais je regardais seulement. C'est elle, là, hein? Ah non, je préfère celle-là. Ah tiens, Selma, bah t'es bien tombée. Il y a juste les frais d'agence. Les parents demandent pas de dot, mais ils sont un peu traditionnalistes, hein. Ah, d'accord. Bon, bah, monsieur Zbantout, moi, je suis pas venu pour me marier, hein. Je suis venu pour le fraisier, donc ça fait 190 francs. Tiens, garde tout. Ah bah, c'est gentil. Tu sais, Gabi, il y a un type qui est rentré un jour ici pour demander une adresse. Et bah, aujourd'hui, il a une petite famille et il est papa. Ah bon? Bah, c'est bien. Bon, bah, moi, monsieur Zbantout, je vais y aller, hein. Oui. Bah, bonjour, madame Poussin. Ah bah, j'y manquerai pas. Au revoir. Réfléchis, Gabi. Avec celle qui te plaît, je peux arranger ça. Le père a confiance en moi. Nous avons une excellente réputation là-bas. D'accord, ouais, je verrai, hein. Arrivée du vol Aigle Azur 2574 en provenance d'Alger, terminal D, porte 64. Arrive flight number 2574 Aigle Azur from Algiers, terminal 3, gate 64. Hey, c'est Mohamed. Par la chaîne comme tout le monde. Quelle chaîne? Eh bien, dis donc, il fallait venir en France pour voir ça. C'est la première fois de ma vie que je vois les Algériens se comporter comme des Allemands. Eh bien, ça fait rien. Je vais être parmi les derniers, mais ça fait plaisir quand même. Attention, s'il vous plaît. Monsieur Zevaïni Abdelkader. Saïd! Avancez là, s'il vous plaît, avancez. Bonjour, monsieur. Le motif de votre séjour? Je viens pour le match France-Algérie. Et vous avez un certificat d'hébergement? Non, monsieur. Alors, vous allez loger où? Chez Tata Aïcha Aklis. Je n'ai pas l'adresse, mais je connais du chemin. Tu vas à la chapelle, tu prends le métro direction Porte Clichy et terminé. Bon, allez, mettez-vous là-bas. Pourquoi, monsieur? Mettez-vous là-bas, je vous dis. Je n'ai rien fait, monsieur. Qu'est-ce que c'est long, tout ça? C'est pas vrai. C'est normal. Depuis le 11 septembre, ils ont durci les contrôles. Et il paraît même que Ben Laden se balade avec un faux passeport algérien. Vous n'aurez pas pu choisir un autre pays, celui-là? C'est foutu pour nous. On est devenus suspects dans le monde entier. Surtout maintenant. Il suffit d'être mal rasé pour qu'on te prenne pour un terroriste, alors, hein? Regardez comment j'étais avant le 11 septembre. Bibi, je vais aux toilettes. Tu peux me garder ma valise? Ouais, vas-y, frère, vas-y. Un mouloud, c'est plus un poteau, si je te dis, c'est devenu un cactus. T'étais où? Une fois que je m'absente, c'est le bordel. Non, mais on l'emmerde, Lounès, maintenant, tu verras, j'ai tout le matos pour virer son barbelé. Matos? Quel matos? Ah, ben, j'ai commencé un stage de plombier ce matin. Quoi? Plombier? Mais tu déconnes ou quoi, mouloud? Non, j'ai bien réfléchi. J'ai décidé d'arrêter la galère et d'apprendre un métier. Mais tu parles d'un métier? Les mains toute la journée dans la merde? Tu fais n'importe quoi, mouloud? Je préfère avoir les mains que la tête dans la merde comme toi. Ah, puis tu me saoules, hein. Bonjour. Merci. Au revoir. Au revoir. Au
Bonjour. Bonjour. Tu sens bon le bled. Non, mais tu es fou quoi. C'est du Alzaro, ça. 8000 dinars le flacon. Ah, ça marche bien pour toi là-bas. Ah, ça va, alhamdoulilah. Franchement, je me plains pas. Mais c'est tout ce que t'as comme bagage? Bah oui, j'ai ramené une chemise seulement. Le reste, c'est l'arsenal pour ta mère. Parce que, tu sais, je pars dimanche, moi. Comment ça? Tu restes que deux jours, c'est tout? Bah oui, attends, je suis débordé de boulot. Je suis venu pour le match seulement. D'abord, c'est un grand honneur. Rencontrer la plus belle équipe du monde, moi, je pouvais pas rater ça. Mais c'est parce qu'ils sont Zizou. Demain, il y en aura 11 des Zizou en face. Non, mais tu délires ou quoi? On vient de prendre 2-0 avec le Zimbabwe 10. Mais là, c'est contre la France. Attends, tu rigoles, c'est né. Tu vas voir demain qu'est-ce qu'on va faire. Ah, bah, ils vont se réveiller. Wallah, tu vas voir. Ah non, non, Brahim, moi je prends un taxi, hein, je m'en pars. Attends, mais qu'est-ce qu'il te prend? Mais t'es malade ou quoi? En ce moment, on nous prend tous pour des terroristes. Toi, tu veux faire traverser Paris avec le croissant et l'étoile? Non. Attends, cousin, tu pousses un peu, là, on t'en a pas des tronches de talibans, non? Attends, attends, je t'explique, Brahim. Moi, je suis venu voir un match, tranquille, et je repars chez moi, ok? J'ai pas envie de m'afficher comme ça, non? Eh, vas-y, viens, allez, ça va, je vous enlève. Allez, viens! Allez, viens. Allez. Dur de rêver sous ce soleil noir, de vie d'ordure, de vie dortoir, à voir naître la douce nostalgie que je ne peux connaître. Souvenir implanté qui guide mon mal-être, ou pas être avec mes potes autour d'un poteau, à parler du bled entre poteaux, on a bon dos. Si la misère est là-bas et le kiff ici, au pays de la boulangerie, y a aussi assis par ici, l'identité qui se gère à la carte, que je te passe au cou comme une vulgaire pancarte. Et de mes racines, éloignez vos lames, par ma foi, par mon sang, par mon cœur, par mon âme. Qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas, peut-être un problème d'allumage. Putain, même au bled, y'a plus de voitures comme ça, c'est pas. C'est pas ça qui va te remplir le réservoir, hein. Putain, mais j'ai mis 10 sacs d'essence la semaine dernière. Puis j'ai même pas une thune sur moi. Bon, t'es un jerrycan ou pas? Mais non. Attends, mais je crois qu'il y a une pompe à essence ici, là. Bon, écoute, tu lâches le frein à main et tu mets au point mort, hein. D'accord? Là, je commence à la barre. Tu viens m'aider, là? Là, Saïd, tu vois ce qui est con avec l'équipe d'Algérie? Pourquoi ils nous font pas jouer Madjer? Je sais pas, moi, une mi-temps. Un truc comme ça, il est quand même pas vieux, non? C'est quand même grâce à lui qu'on a gagné l'Allemagne en 82. Non, tu crois pas? Allô? Ah, voici là. Ça va? Ouais. J'ai pas arrêté de taper toute la matinée. Ouais, t'étais tout le temps sur messagerie. J'ai pas arrêté de penser à toi. Sur la vie de ma mère, je vais pas fermer l'œil de la nuit. Là, je suis à l'aéroport, là. J'attends mon cousin qui arrive du bled pour le match. Ouais. Et toi, t'es où? T'es dans ton bain, là? T'es tenu? Arrête, tu vas m'exciter. Ouais. Yo, on change de place, là. Parce... Excuse-moi, il y a un rebeu, là, qui me saoule. Je te rappelle. Allez, pousse, pousse, pousse. Allez, pousse! Attention au brouillard sur le nord-est demain matin, ainsi que sur l'Aquitaine dans la matinée. Le brouillard peut se dissiper. C'est lui le bœuf? Mais qu'est-ce que tu racontes? Lui, c'est Turam. Nous avons fait un peu de temps pour le poste. Nous avons fait un peu de temps pour le poste. Nous avons fait un peu de temps. Lumière.
Excuse-moi, cousin. Je te rembourserai dès que j'aurai de la thune. Ouais, c'est ça. J'ai lancé un produit contre les cafards qui cassent la baraque en Algérie. Je l'ai appelé Grillo Out. Et l'imprimerie, c'est fini? Non, ça marche toujours. D'ailleurs, c'est Kadour qui s'en occupe. Kadour, le petit? Le petit, il a 22 ans maintenant. Allahi barak. Goulou t'il comme benni de drahm fil Jazair. Ici, il reste que la misère. Et a-t-il ma terre intact? Akdar monte une petite usine. N'a-t-il houlk mach trouh t'chsrouf le grattage? Oulma, metchouf. Une usine oblède? Mais pourquoi faire, papa? N'importe quoi. Doucement là-bas. Ouais, c'est pas sûr. Il y a de la concurrence maintenant. Il faut les études de marché, la publicité. Ça a changé, c'est plus comme avant. Pour faire marcher une affaire, il faut s'en occuper jour et nuit, sinon c'est pas la peine. En plus, vous vivez en France. Eh bien, on a qu'à envoyer Brahim. Qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre en Algérie, moi? Je parle même pas arabe. Eh bien, tu apprendras. Je te comprends pas, Brahim. T'as toujours le bled dans la bouche. Et quand faut y aller, tu te dégonfles. Toi, tu fermes ton clapet, t'as compris? Viens, Saïd, on nous attend. Toi, Mémé, t'as bien raison. Donne rien. Ouais, c'est ça, ouais. Tu viens? Bon, allez, à tout à l'heure. Hein. Attends, tu rigoles? C'est qu'est-ce que c'est la plus belle avenue du monde? C'est les Champs-Élysées! Ben voilà! Et toi, tu sais quoi? Vas-y, ça, c'est une rue, c'est une super belle rue. Mais attention! Laisse tomber, c'est pas des arbiètes. Comment ça, c'est pas des arbiètes? Moi, je te parie tout ce que tu veux que c'est des nanas de Tlemcen. Arrête de délirer, Mohamed Gabi. Tu vois des arabes partout, toi. C'est David qui te monte à la tête ou quoi? Oh là là, c'est vrai. Je suis content que tu sois là. Hein? Hey, les mecs, je vous invite tous en boîte. Pourquoi? T'as de la thune? T'inquiète pas, le barman, je le connais, c'est mon pote, allez. Allez hop, hop. Yeah! T'es sûr de ton coup, hein? T'inquiète pas. Oh. Ah, classe, cousin, je suis content. Attention. Tu vas voir, il va taxer son cousin. Ciao, je te dis. Regarde, s'ils ont le bled dans la peau, demain ça va être le délire. Toi, tu peux pas venir, hein? On va gagner! Ah, salut Hassan, pense là. Salut Brahim, comment tu vas alors? Bonne neuf. Oh, quelle ambiance! En plus, tu sais que ce soir c'est mon anniversaire, hein? Encore? Attends, t'es pas né en pièce détachée? Ça fait 4 fois que tu me fais le coup cette année. Attends, 4 whisky, tu vas pas me mettre la honte devant mon cousin qui arrive du bled, hein? Mais je peux pas, Brahim, ce soir il y a le boss qui est là. T'as payé à ton taf, toi? Oh là là là, attends, j'ai juste recommencé, c'est bon, là, Demande à Gabi. Oh là là, mais putain, mais tu saoules, toi! Consomme pas, c'est tout! C'est combien? 60 francs les chats, 140 francs le maillot. Bon, bah, je prends les deux. Ça fait 200 francs le tout. Ah, mais c'est un peu cher, quand même, hein? Non, 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 attends, c'est pour moi. Ah, c'est gentil. Voilà. Quoi? Ah, franchement, Gabi, le verre blanc, comment il te va? Super bien. Ouais. Ouais, c'est... Ouais, il est bien ce petit. Là, je vais l'emmener au bled. Quand tu veux, hein. Bon, moi j'ai soif là. Whisky coquin. Avec des glaçons? Ouais. Et toi? Un gin tonic, s'il vous plaît. Et vous deux là? Non, bonsoir. Putain, on va faire faillite avec vous, les gars. Hein? Tu joues pas beaucoup. Ah bon? Oh là là, Moulou, t'es mal, les trois meufs là-bas. Je te préviens, la grande, elle est pour moi. Et les deux autres, c'est pour Saïd et Gabi. Tu veux qu'il se pardonne? Tu me mets à l'amende, quoi. Eh les gars, il y a trois nanas toutes seules, alors vous faites comme vous voulez. Moi, je vais. Bon, moi, je vous laisse. Vas-y, vas-y. Mais non, vas-y. Eh, vas-y, cousin, regarde, attends. Allez, à tout à l'heure. Alors. Ciao. Vous avez bien dansé, mademoiselle? Tête d'oignon! Finalement, ouais, je veux bien un verre d'eau. Oh, je comprends pas, Brahim, t'es tout le temps fauché. Tu construis une villa au bled ou quoi? Quel bled? Jamais mis les pieds, mon bled. Eh ben, t'as qu'à y aller, mon frère! How are you, Rastopasla? Oh! Aziz! Où t'étais passé? Je te croyais mort, mon frère. Business is business, my friend. Je reviens des États-Unis. Et dis-moi, qu'est-ce que tu foutais là-bas? J'aurais fourgué 100 tonnes de couscous. Ah, vraiment, eux aussi, maintenant ils se mettent au couscous. Nos clichés, my friend, avec couscous fast-food. Sur la vie de ma mère, je vais faire flipper maintenant. Tu vois, oublie le bled, hein, je suis venu spécialement pour voir le match. Alors là, ça s'arrose. Qu'est-ce que tu bois? Whisky Hancock. Descends.
Loblas. Tu vois ce mec-là, avant, c'était un branleur, comme toi. Il a appris 3 mots d'anglais, tu te rends compte? Maintenant, il fait fureur chez les Yankees. Who are you? Il fait fureur au stick. T'as 25 piges. Depuis que je te connais, t'as fait qu'un seul business, les cravates, et encore avec 10 000 balles de bénéfices en dessous de zéro. Bon, Prime, qu'est-ce que tu fais? Tu restes ou quoi? Attends, je pars l'affaire. Ouais. Moi, j'étais en affaire, ça m'a gonflé. Bon, je me casse. Ciao. Hey, où tu vas, toi? T'as un whisky, là? Ah bon? D'où? Quoi, d'où? Tu vois pas que je suis à la flotte, là? Ah, d'accord. T'inquiète. Allez, laisse tomber, Gabi, excuse-moi. Laisse tomber, mon cousin va raquer, il est blindé. Ah ouais, t'en meurs pas, toi. Allez, rendez-vous au poteau pour le match. Et en forme pour demain, d'accord? Ouais, merci pour l'invite, hein. Allez, demain. Salut, Gabi. Redonne-moi un verre d'eau, s'il te plaît, tête d'oignon. Désolé, Brahim, hein, il faut que tu bouges. Tu consommes pas, c'est moi qui vais avoir des problèmes avec le boss. Ici, c'est pas la discothèque des grenouilles. Grenouilles? Mais regarde-la, ta tronche! Allô? Allô, Wassila? Tu dors? Il est 4h du mat, là. Ouais, je sais, ouais. Excuse-moi, je t'appelle parce que je me sens pas très bien. Tiens, bah écoute, ça va te consoler, mon frère. Ferme ta gueule, toi! Ça va pas, t'as des soucis? Non, mais non, je parle pas à toi. Ah, mais pour toi? Non, c'est un gros, là, qui me cherche. T'es où, là? Je suis à la rue. Enfin, tous mes potes m'ont lâché. Même mon cousin. Ils sont partis avec des meufs. Et alors? Wassila, sur la vie de ma mère que je te toucherai pas. Allez, d'accord, mais je te préviens, hein, je te mets un matelas par terre. D'accord. Merci, Wassila. Et finalement, ouais, je veux bien trinquer. Allez. Désolé, j'ai tout sifflé, là. Ciao. Brahim? Oui. Je laisse 5 minutes faire une course et je reviens. Ok, vas-y, je t'attends. Allô? Allô, monsieur le plombier? Oui. Je suis sûr que tu sais même pas qu'est-ce que c'est un jacuzzi. Ah, c'est pour ça que tu me réveilles. Oh là là, là, ça sent que t'as dormi tout seul, toi, hier soir. Je t'ai vu hier, hein. T'as fait cacahuète avec la mère. Putain. Écoutez, tu serais bien avec moi. Je vais te présenter une copine à Wassila. Moi, je t'ai pas raconté. Tu sais quoi? J'ai passé une nuit avec elle. Sur la tête de ma mère, je suis devenu incollable sur Socrate. Tu m'écoutes, mon autre? Wallah. Coucou. Wassila. C'est papa et maman. Wassila. T'es là, hein? Allô? Coucou chérie, tu es là? Attends, coupe pas, tu coupes pas, moi, attends. Oui, ma chérie, je suis là. Tu peux me frotter le dos, s'il te plaît? Frotter le dos? Y'a un peu de coulette qui est ça? Hala, ou les baharam? Hala, tu te moutes, tu? À domicile? Hala, y'a ben le kalb? Hala, on t'attaque le gazam? Hala! Hala! L'aide de ma hala, qui a tué, l'aide de ma hala, non, 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 fais pas ça!
Eh, faut appeler les pompiers. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Il va se casser la gueule. Tourne-toi. Il est complètement taré. Accroche-toi, Mio. حل اليوم الجلده ديالك من الحوايج جايب معاك الخشبه ابراهيم سي كوا ذا ديلير طاي يا تي بارون لا هو يفل مي فير لا بو ميرد جافي با فيرمي لا كلي بون لي فيان افيك موا نو 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 موا جو ريستو لا موا مي فيان جو في ريغلي سا جو تي دي عييت بو على طوطو دلع عياتك تيان بون C'est pas la peine, il est là. Depuis quand vous venez chez moi sans prévenir ? On voulait te faire la surprise. Sama ya tfla. Hada li rak had zoujji ma3h. Et ça c'est pas ton problème maman, je suis majeure, je fais ce que je veux. Rak tsma3. Rak tsma3 kifach jay tehdar ma3ya. Bsah chah, nta li hlit lha lhaï. Nta li wlfet lha. Wallah l3azim. Wallah l3azim ma nzid nhat rjli fi had dar. Jib dlaa3 wallah. Ali tma3 dikash. Papa, on en a déjà parlé quand je suis partie de la maison. Mais je comprends, je suis d'accord avec la liberté. Mais pas avec ce boubouche l'Ariane dans la maison quand même. Hachouma, benti. Hachouma. Non, voici là, je suis désolé, tout ça c'est de ma faute. Qu'est-ce que tu vas devenir maintenant sans tes parents? Ça va, t'inquiète pas. Hein. Je les connais, ils vont revenir la semaine prochaine. Ça fait 5 ans que c'est comme ça, ils vont bien finir par comprendre. Hey, tu veux pas enlever ce peignoir? On dirait que tu sors de la cage aux folles. Assalamu alaikum, c'est monsieur Zbentout de l'agence Aroussa 2000. Ah, monsieur Zbentout, comment ça va? Ça va, comment va le bled? Alhamdoulilah, c'est un peu couvre-feu ici. Tout le monde est à la maison pour voir le match. C'est le paradis du cochon rouge. La'oudou billahi min shaitan rajim. Mettez-le, mettez-le. Hadj Omar, j'ai avec moi un jeune homme qui est intéressé par votre fille Selma. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il s'appelle Djibril Le Garec. Gabriel. Le Garec, c'est pas de chez nous, ça. Non, c'est breton. C'est comme les Kabyles chez nous. C'est un musulman? Vous inquiétez pas, il va bientôt l'être. C'est pour la circoncision. Non, mais je veux pas, moi. Yadra, l'andou, je suis à devise ou la walou? Non, mais... Il travaille. C'est un professionnel de la pâtisserie. Ah, il est chef pâtissier. Mais lisse pourvu que non. Eh ben, à la bonne heure. Qu'est-ce qu'il demande le peuple? À boire et à manger. Bon, je serai au bled dans quelques jours et on verra ça dans les détails. Au revoir, Hadj Omar. Allez, au revoir. Alors, tu es content? Bah oui, mais c'est quoi cette histoire de circoncision, là? Obligé, Gabi. C'est un détail. On t'enlève juste un tout petit bout. Mais t'as vu ce que t'as en échange? Mais attendez, on m'enlève rien du tout, moi. Je garde ce qui m'appartient. Puis je m'appelle Gabriel Le Garec. Pas Djibril. Et deux, et trois, et... Oh, my God.
m'as pas encore enlevé cette merde là. J'ai pas les outils le week-end. C'est bon. Il est où Gabila? On a le temps, le match est dans 3 heures. Je m'en fous, moi je ne veux pas rater l'ambiance. Bah tiens, bah le voilà. Yopi, vas-y viens ramène tes côtes. Vas-y, dépêche-toi, viens. Oh. Dépêche-toi toi. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Allez Mouloud, dépêche-toi. Vive l'Algérie. Ouais, vive l'Algérie. Ibrahim, il est où ton cousin? Laisse tomber, c'est un harbi lui, dès qu'il voit une meuf, il zappe. Et au fait, Mouloud, ça fait mal la circoncision? Bah je sais pas, moi j'étais petit. Non mais pourquoi tu me dis ça toi au fait? Non, comme ça j'ai vu ça à la télé, c'est tout. Oh mais toi tu me prépares quelque chose toi. Mais non, je prépare rien du tout. Si 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 si. Désolé, monsieur, mais c'est un faux billet. Je ne peux pas vous laisser rentrer. Pourquoi, monsieur? Mais où est-ce que vous l'avez eu? J'ai acheté en Algérie. Eh bien, vous êtes fait avoir, mon pauvre vieux. Jean-Michel, le Stade de France a rarement été aussi plein. Hein. Surtout avec plus de... C'est pas Brahim là? Non, cherchez pas. Au prix où il a acheté sa place, il doit être sous les toits. Ya Sidi Abdelkader, chilhom el kaybhom bach tribah bladna. Ya Sidi Abdelkader. Dépêche-toi, mémé, ça commence. Zidane, gaucher ou la droite? Excellent des deux pieds et de la tête. L'hymne de l'Algérie en l'honneur de l'autre. Fais pas chier, Mouloud. Moi, ce soir, je suis 200% algérien. Pauvre con. Mais Sarnou, c'est tout, regarde. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Je sais pas, bro. Attends, je croyais que t'étais 200% algérien, non? Adel Wounas. Adel Wounas. Ouais, ouais, j'arrive, j'arrive. Finalement, hors des limites du terrain. Dégagement en sortie de but de Fabien. Et moi, j'ai parté encore. Il reste.
Je n'arrive pas à comprendre Abdel Ounes. Chez moi, j'ai un téléviseur en colère avec 36 chaînes. Et toi, en plein centre de Paris, tu as une seule chaîne et tu habites dans un frigidaire. Il faut investir. Investir? Investir avec toute la cabine qui débarque chez moi. Un tertra. Monsieur Antonio Manuel Perdido. Les Français qui n'ont pas trop intérêt à dominer Thierry parce qu'ils risquent. Ouais. J'aurais dû envoyer Boubacar distribuer des prospectus. Bon, les gens se marrent sur Internet, tu vois, tu parles encore de prospectus. Et d'où tu connais l'Internet, toi? Chez Douja, la voisine, celle qui a perdu son mari. Elle a trouvé un beau riche saoudien sur Zawaj.com. Ah bon? Il y a une passe de trop. Qui a essayé de pénétrer dans les 16m50, mais il sortait. Raoul, il renverse le jeu pour Vigneri. Belmadi. Arrêtez de déconner, vous allez pas vous battre pour un but, merde! Mais lui, là! C'est un bien algérien, il roule pour les Français! Et alors? Il est pas bon le but! Ça prouve que c'est un sportif, au moins! Je reste pas avec les traîtres! Et ben, casse-toi! Ouais, c'est ça! Ouais. C'est bon, on va pour aller, va-t'en, vas-y! Vas-y, laisse-le, il va se calmer! C'est du bidon, tes gris-gris, mémé! J'ai pas fait sur Condé, là! Tu m'as dit que c'est un remplaçant! Et ben alors? Les remplaçants aussi peuvent jouer! Ça y est, je te dis, ils sont dans le match, ils n'ont pas l'habitude du climat. On va gagner. C'est bien, tu peux toujours rêver quand même. Hein. Bon alors, celle-là, elle est excellente. Hein. Alors, un couple de paysans achète un appartement dans le centre d'Alger. Dès qu'ils entrent, le mari commence à arracher le papier peint. Alors la femme lui dit... Ya Rajel, qu'est-ce que tu fais? Ouais, faut bien enlever l'emballage. Ah non, c'est bon, j'ai compris. Le temps peut-être pour moi de vous donner la question Minitel du jour. L'entraîneur algérien Rabah Majer a donné son nom à un but d'anthologie. Quel geste technique symbolise à tout jamais une Majer? Vous avez jusqu'à la fin du match pour répondre à cette question et peut-être gagner le chèque de 10 000 francs. 36 francs. Oh, c'est pas un goal, c'est une couscoussière. Arrête, bien, Zagsbourg. 5 minutes. Deux buts. 90 minutes, 9 à 0. 9 à 0? Je te jure qu'ils ont intérêt à demander la sécurité. Il aime faire ce cinéma, ce mec. Mais tu verras, hein, il est pas méchant. J'ai hâte de le voir. Pleine vitesse, Vincent Candela, remise en retrait. Ah ouais, c'est pas un match.
Il y a que les Français qui jouent. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, papa? T'as vu Thierry Henry, on dirait un TGV. Il n'y a qu'un croche-pied qui peut l'arrêter, lui. Ouais, mais dans les 18 mètres, il y aurait eu pénalty. Ça change rien. En plus, on aurait eu un carton rouge. Et je préfère un carton rouge ou la chumette. Ah, oh. Les noces sont trop faibles. Et c'est normal. Le kilo de viande est à 500 dinars. Même avec 4 chambres chacun, ils n'arriveront jamais à marquer un but. Pénalty! Mais non, mémé, c'est un coup franc. D'ailleurs, bien placé pour Belmadi. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إنا لله وإنا إليه راجعون Comment je vais pisser une clope en les gars. Gabi, attends, franchement, dis-moi la vérité. Le but algérien, bon, pas les trois buts français. Ouais, mais là, c'est la France qui gagne. Non, mais attends, les mecs, là, ils sont dans les vestiaires. On les briefe à mort. Tu verras la deuxième mi-temps. Hein? Tu verras. On verra. On verra. Yaoul Dikens sont enterrés ici ou là-bas, ou c'est kiff-kiff. Allah est partout. À moi, elle m'a toujours dit qu'elle voulait être enterrée à côté de son terrain. Et à quoi ça sert, puisqu'on va le vendre, hein? Écoute, on leur dira qu'elle n'a pas de famille. Et comme ça, c'est la mairie de Paris qui paye. À bout. Allez, monsieur dame. T'inquiète, eux ils ont les buts, mais nous on a Coran et Allah. À votre avis, pourquoi ces jeunes ont envahi le terrain? Un but, ça va. Deux buts, ça va.
3 buts, ça va. Mais 4 buts, c'est trop. Non, non, je suis pas d'accord. Tout ça, ça n'a rien à voir avec les buts. Ces jeunes sont manipulés par des gens qui ne veulent pas le rapprochement entre l'Algérie et la France. Tout ça, c'est politique. Non, non, c'est pas de la politique. Je connais ces jeunes mieux que toi. Ah, c'est des paumés. Ils ont un pied en France et l'autre en Algérie. Ah, et la tête dans la merde, comme on dit chez nous. Voilà. Allez, embarquez. Oui. Calmez. On va chanter au-dessus. C'est bon, lâchez-moi. S'il vous plaît, reculez un peu. Désolé. Ce n'est pas au commissaire de décider, mais au juge d'instruction. S'il vous plaît. Rien que le temps d'enterrer sa grand-mère et on boulera. Je vous dis que c'est pas possible. Allez demander au tribunal, ils sont au courant. Aïe, m'chi, aïe. Yo, wallah, dès qu'il sort de prison, je l'envoie au bled. Et il reste là, bâtin. La prison et l'expulsion. Mais attends, maman, c'est à double peine, ça. Et en plus, ça va faire plaisir à Le Pen. Et je m'en fous de celui-là. Il a qu'à s'occuper de sa femme. Tant que me le garantage d'avoir telle politique. Ils avaient envahi le terrain du Stade de France samedi dernier à l'occasion du match amical de football entre la France et l'Algérie. Le procès de 5 hooligans a eu lieu ce matin au tribunal de Bobigny. Les 3 principaux meneurs, dont une femme, ont été condamnés à 6 mois de prison avec sursis et une amende de 100 000 francs. Quant aux 2 autres, ils ont écopé de 2 mois de prison avec sursis et une amende de 20 000 francs. Après ces condamnations, tout de suite, les réactions dans les rues d'Alger. 6 mois avec sursis. Ça, c'est pas notre problème, ils sont français. C'est rien avec la honte qu'ils nous ont fait. Il faut considérer ces jeunes comme des citoyens français. Chirac, il a qu'à se débrouiller avec eux. Hey, les mecs, c'est Brahim. Là, Brahim, on t'a vu à la télé. T'as raison, Brahim, 4 vite, c'est trop. T'as 10 blagues d'amende, faut faire appel, Brahim. T'inquiète pas. Eh, Brahim, c'est vraiment pas intelligent ce que t'as fait, y'a pas de quoi être fier. Mais non, non. Brahim. C'est l'acte de propriété de la terre à grand-mère. D'accord. Qu'est-ce qui se passe là? Direction le bled pour vendre le terrain de grand-mère à cause de tes bêtises. Tu sais au moins qu'elle est morte. Je sais. Il m'a laissé tomber, je vais faire appel. Va t'habiller, on va rater l'avion. Moi, je viens pas avec vous. Non seulement tu viens, mais tu vas rester avec ton cousin Saïd. Papa, qu'est-ce que je vais faire avec lui? Le représentant en produits de cafard. Le représentant dans les produits de cafard. Mais attendez, vous délirez ou quoi? Vous m'avez jamais appris l'arabe. Eh ben, Brahim, au rebeu, cafard, ça se dit grêlo. Ferme ta gueule, toi. Au moins, il t'a appris un mot. Allô? Allô, madame Saïdouche? C'est le Hajj Bouzala, pareil. Les vraiment qu'il a acheté ni acheté, c'est arbé, hein? Comment? Eh bien, mais c'est pas une voiture que tu m'as vendue. Une cocotte minute. Ah, ou t'as habité Mercedes pour 5000 francs? Eh, ou dès je suis en panne, flotte route à côté de l'IA. Asmehli, akhouya, moi je t'ai pas vendu une voiture pour aller jusqu'à Lido, hein? Eh, ou dis. Excusez-moi, j'ai pas le temps. Arabi, aounak. Vous avez vendu ma voiture? Eh ben oui, pour acheter les billets. Faux usage de faux. Vous avez pas le droit. Moi je vais annuler la vente. Dis-la. Moi, n'a rien que me livrer de famille. Aïe, vite! Le taxi qui attend, le compteur tourne! Laisse tomber, maman. Je te jure que je vais trouver un travail. Même un éboueur, je le fais. Y'a un éboueur, il faut un diplôme aujourd'hui. Et toi, t'as rien! Et puis d'abord, pourquoi t'as peur de l'Algérie, hein? Pourtant, tu l'aimes bien? Bah ouais, je l'aime bien, mais vu d'ici. Mais moi, mon pays, c'est la France. Tu comprends? Parce que vous, vous croyez que là-bas, c'est le paradis parce qu'il y a le pétrole. Et bah, t'as qu'à demander à Mouloud pourquoi qu'il est revenu dardard! Tu sais comment qu'il appelait? L'immigré. Yaï Mouloud, il n'a pas un cousin riche comme toi qui veut l'aider à la gueule. Écoute-moi bien. Ici, même français, tu ne deviendras jamais quelqu'un quand tu t'appelles Brahim Zaïtoche. Aïe, un autre. Amchi. D'accord. Mais attention, hein. S'il m'arrive une seule galère, hein, je demande le rapatriement à l'ambassade de France. T'as compris? Aïe. Tu as l'air fou, hein? Aïe, après, à la fin.
Mais c'est l'histoire de Brahim et son poteau. Trompe l'histoire de son père et son loto. Faut s'y faire remercier Dieu tous les matins et sans remettre dire Inch'Allah, même une assiette pleine d'haricots. Toute une histoire pour une caisse et son drapeau. L'Algérien, t'as pas compris que ta mère va flipper. Faut que tu fasses vite, trouve du taf speed. Mais la cinquième, fais-le pour ta grand-mère et son fils. Un épicé arabe. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يشاري ويمشي وحده. بو ايه موش باش تون كارت جو بورجوان. استغفر Bonjour. Je peux avoir une carte téléphonique, s'il vous plaît? Merci. Ah, très bien. Salut. Les pauvres. Comme le prof, il les a allumés avec le foulard. Je serai d'accord avec lui quand tout le monde respectera la laïcité. T'as raison. Excuse-moi. Allô ? Allô ? Voici là ? Voilà, toi ? Ouais, je sais. Je suis désolé pour la fête de samedi soir. Je devais ramener mon cousin qui habite dans la banlieue. Je pouvais même pas te laisser un message, j'avais même plus de batterie. Ah bah oui, je comprends. Allô, voici là. Allô ? Ebrahim, c'est marrant parce qu'en face de moi, il y a un mec qui te ressemble comme deux gouttes d'eau. Quoi? Eh, fais attention, voici là, te fais pas draguer. Hein. Moi, je vais arriver, moi, je vais lui casser la tête. Vas-y, dis-lui. Eh ben là, t'aurais du mal parce que c'est ta photo sur un journal. Alors, me raconte pas de conneries. Ils t'ont relâché? Ouais, je suis à l'aéroport, là, avec mes vieux. Je pars en Algérie. Ah ben, voilà une bonne chose, toi qui parles toujours du bled, comme ça, tu verras la réalité en face. Bon voyage et bonne chance. Allô? Voici là. Allô, voici là. Allez-y, allez-y, passez. Madame, hé hey, madame, les passeports algériens, c'est par là. Là-bas, c'est les passeports français. Faire la queue, madame. Il y a la queue qui est ici. Ils ont raison, là, madame. C'est là que ça se passe. Mais messieurs, on est français. Ah bon? Bah allez-y, passez. Ah, ça me plaît, ça me plaît. Départ à destination d'Alger. Vol Aigle Azur numéro 2574. Embarquement immédiat, terminal 2, porte 57. Vous vérifiez même pas les passeports? Dans ce sens, ça va. Pour le retour, ça sera pas pareil. Departure to Alger, flight number 2517. Aigle Azur, now boarding at terminal 2527. C'est pas le départ. C'est pas moi qui suis parti, c'est mon bled. Pour un pays chaud, je te dis le halbred. Dans nos têtes, c'était du reste de tes têtes. Alors on s'endette, fixe la date, dernier de ta tête. C'était bien le dernier, vu ta tête. Yeux bien serrés aux clés, un molette. Y'a Maya Hout, ce n'est qu'un test. Je vais juste tâter le terrain en attendant, y'a les cousins qui disent bien. Ça va dans la vie, ils se maintiennent, ils peinent bien. Tu reconnais bien l'Algérien, l'Algérien. Donc quoi et pourquoi perdre? On dit qu'ailleurs est plus vert clair, mais le trou pour moi. Après l'avoir trouvé, allez-y, s'il vous plaît. Pour les passeports européens, c'est le guichet nazi. Andkoum les billets de retour. Vous n'avez pas de passeport algérien? Quoi? Mais attendez, nous on est français, monsieur. Rafael, fais-moi, putain. Mais vous n'avez pas de visa. Visa? Quel visa? Qui va être venu? Ne t'occupe le bled, ne demandez où est le visa. Ah ouais, t'es au dar, elle est fatiguée. Écoutez, madame, je sais ce que je dis. Vous me présentez des passeports français, et pour les Français, il n'y a pas de visa, mais qu'est-ce l'Algérie?
C'est pareil pour nous en France. Abou, Slimane, Ibrahim, ou Khaira Zaitouche, pour toi, ça c'est français. Elle dit, c'est la meilleure. Asma, c'est pas la peine de s'énerver. Hein. Aya, on va voir le commissaire. Aya, elle est cool, Jack. Je veux française, hein. Jack, je française. ماذاش تهضر؟ 600 فرنك باش ندخل البلاد يا ميغ تاع الاخرى. كاظم الساك 15 سكوند دو بلوس كيير. برافو شاف، مازالت البركه. بون، مش كاين. سي اون فامي دو فرونسي كي نون با دو فيزا. À quelle heure le prochain départ pour Paris? Dans une demi-heure, commissaire. Mais il y a un problème. Ils ont deux billets de bateau pour le retour. Les parents seulement. Pas question. Ah, bah, peut-être. Je suis l'officier Kader. Et vous la raccompagnez au port. D'accord, commissaire. Je suis désolé, vous êtes obligé de repartir en France. Qui fait? Rani, fille, blédi ou nous non. Madame, la loi telle visa, c'est international. Où est-ce que vous êtes? L'Algérie, c'est une passoire. Eh bien, moi, je vais voir le commissaire. Non, madame, le commissaire m'est arrivé comme ça. Vas-y, viens au repas. Viens au repas. Eh, toi, ça t'arrange bien, hein? Il est un petit peu de l'autre. Ah, le gné. Il est un policier interne, moi, il est un petit. Ah, les passagers du vol 2564 de la compagnie Aigle Azur à destination de Paris sont priés de se présenter dans la salle d'embarquement numéro 6. Attends, pas chaud, monsieur Zbantout. Vous m'attendez ici, s'il vous plaît, je reviens. Monsieur Zbantout. Eh, merci, Zaitouche. Bonjour, madame. Ah, la bique. Bonjour, Brahim. Bonjour. T'as vu? T'es devenu célèbre, hein? Tout le pays parle de toi. La carrière est chère. C'est à quoi nous sommes là? Oui, je suis au courant, j'ai vu le commissaire. C'est malheureux, M. Zaitouche. Pourquoi vous n'avez pas voulu faire les visas? Allah, on voulait faire les économies. Ah, je vous comprends, mais vous êtes dans l'illégalité. Même l'ambassade de France ne peut rien faire pour vous. Je vais vous faire une confidence. Vous n'avez pas eu de chance. Vous êtes tombé sur un commissaire de police qui est fan de football. Ancien joueur de l'équipe d'Algérie. Ah ça, il n'a pas supporté que ces jeunes, là, arrêtent le match. Ben, il a raison. Et 4 buts, c'est trop. Vous dites, t'as des rats. Et qui calmez-vous, c'est Slimane. Pour votre fils Brahim, il y a une solution. Une fille du bled qui le remettra dans le droit chemin. Un gosse, deux gosses, et il sera obligé de se ranger. Vous voyez la fille et son père qui voyagent avec moi, là? C'est pour Gabi, le petit commis de Madame Poussin. Gabi Boulanger. Mais c'est un Français. J'ai réussi à le faire accepter par le père, tout religieux qu'il est. Vous voyez? Bah. Ça, c'est pas un problème, ça. J'ai ce qu'il faut pour lui. Oh. Ça, c'est sûr, c'est pas Claudia Schiffer. Tu vas à Paris? Non, rien. Non, c'est bon, il n'y a rien. J'ai des documents. Et vous connaissez l'héritage? La plus belle maison de Bni Abbès. Un capital de 2000 chameaux. Allah ybar. En plus, elle s'appelle Khaira. Comme vous, Madame Zaitouche.
pas, je m'occupe de tout. Slam. Que le pétrole ici. La râle, c'est tout ce qui reste pour les jeunes ici. Le frère, c'est pas facile. Où les gens arrivent. Oh, elle est pas chante. Un aïeul, qui rend des dilemmes. Galbin, sobira. Quoi? Vous avez une idée, l'héritage? La plus belle maison de Bni Abbas et un capital de 2000 chameaux. مدام السيد قال لك نعطيك 100 مليون فيهم بالجمله. كيفاه؟ انا بني بعتو الغوله على جال بعير هذا. شوف سي محمد باش ما نطولوش، تعطيني 200 مليون والله يربح. راكي تبيعي في لي كات كات ولا مدام؟ او هذوما خير من الكات كات. لا زيت لا مازور لا بنو. الماء من عند سيدي ربي تقول لهم اش وهما دي مرام. فهمت انا بس جاكي قلتلك ما تروحيش الغربة واعرة الفراق سي با فاسيل هو اللي جربها اوه الفتك وعشقتك انا يا مرام كي غادي دير انا قلبي صبيره كواتي يا خمم كي غادي ندير راكي بعيدة عليا دي ناس واش قول يدراكي مهولة ولا بخير توحشتك بزاف وراني نسال كواتي يا
وكان نقدر عمري انا نجيك ما خليكش في الغربه هكذا معذيبه من الله غالب شا غادي فهيمك هذا معطى ربي يا وهذه كاتبه كواتي يا وكواتي